Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis encore aujourd'hui avec Aurélie Tchatchou. Salut Aurélie. Salut Jérémy. Heureux de t'avoir encore aujourd'hui. Je suis contente d'être là. Merci parce que tu vas nous encourager, tu vas prier avec nous et pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toutes ces femmes de prière qui sont là un peu partout dans la francophonie et qui prient pour nous. Dieu cherche des sentinelles et vraiment c'est extraordinaire. Il y a des personnes, vous avez ce ministère-là de la prière, comme avait Anne, des gens qui prient, des gens qui jeûnent, pour voilà, différents missionnaires, des ministères, des pasteurs, des gens qui servent le Seigneur. Et vraiment, on est reconnaissant à Dieu, nous aussi, à EMCI, pour les gens qui prient pour nous et qui ont le fardeau de prière, qui prient pour les différents animateurs, les gens que vous voyez à EMCI TV. C'est tellement important. Ouais. Et on veut encore vous encourager. Si c'est votre ministère, merci. Mais aussi, continuez à prier pour nous. On en a besoin. On est vraiment sur le front. On est dans la bataille et elle est déjà gagnée, mais on a besoin de vos prières pour nous fortifier. Aujourd'hui, donc on va continuer dans cette lancée du renoncement, mener une vie qui glorifie Dieu sans limite. J'ai beaucoup aimé ton titre, Aurélie. Ouais, il est beau. Oui, il est beau, il donne envie. Mais quand on le vit, c'est encore mieux. Merci Aurélie de ton encouragement. Et dans Jean chapitre 15, Jésus dit qu'il est le vrai cep. Et le père est le vigneron, et tout sarment qui est en lui, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il nous donne déjà une bonne nouvelle. Il dit déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai donnée. Donc ça, c'est gloire à Dieu. On a reçu cette parole et on est déjà émondés. Et il dit, mon père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui vraiment. Mener une vie qui glorifie Dieu, qui amène une gloire à Dieu dans son royaume, mais aussi sans limite. Effectivement, Jérémy, c'est possible de mener une vie qui glorifie Dieu sans limite. Et comme on a vu les deux derniers jours, en fait, maintenant qu'on a renoncé au péché, on a renoncé à nos propres plans, nos propres projets, mais maintenant, il faut faire quelque chose pour glorifier le Seigneur. Et la chose qu'on doit faire, en fait, c'est de se consacrer à Dieu. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment la consécration. Et là, dans le verset que tu as lu tout à l'heure, par rapport au cep et au sarment, Dieu nous dit aussi qu'il faut demeurer en lui. Et vraiment, demeurer en Dieu, en fait, c'est vraiment rester attaché, rester connecté à lui et réaliser en fait que lui et nous, on est un. De la même manière que le cep et le sarment, ils sont ensemble sur cet arbre-là, nous et le Seigneur, on est vraiment un, on forme un avec lui. Et c'est seulement qu'on réalise ces choses, en fait, qu'on peut l'épouser, lui. On peut savoir c'est quoi il pense, comment il vit, comment il fait. Et lorsqu'on sait ces choses-là, on réussit à glorifier Dieu, en fait, lorsqu'on connaît sa volonté. Mais pour y arriver, il faut qu'on s'offre à Dieu pour qu'on puisse accepter, en fait, de demeurer en lui. Parce qu'il faut savoir que quand Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, nous sommes cachés en Christ. Ça veut dire que nous demeurons dans le Seigneur Jésus, nous l'acceptons par la foi et nous vivons avec cette vérité-là. On sait que nous sommes cachés en Christ. Et maintenant, c'est à nous d'offrir nos corps à Jésus. Ça ne va pas se faire comme ça. On dit souvent que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Donc, il ne va pas nous forcer. C'est à nous vraiment d'offrir nos corps. Et c'est ce que la Bible nous dit, en fait. Dans Romains 6, au verset 13, ça dit « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. » Donc, on a vu qu'on a renoncé au péché, on est sorti de toutes ces choses-là. Et la Bible dit « Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu. » Ça veut dire que ça vient de notre volonté, on le fait nous-mêmes. On se livre nous-mêmes à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de justice. Donc, c'est ce que la Bible nous demande, c'est de nous livrer nous-mêmes. C'est vraiment qu'on puisse se tenir devant Dieu et dire, « Seigneur, je te livre mon corps, je te livre mes membres pour ta gloire, je te livre ma vie pour ta gloire. » Et même dans Romains 12 aussi, c'est écrit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, on doit s'offrir nous-mêmes. On doit vraiment prendre ce pas-là. Et c'est encore Paul qui a dit quelque chose qui est vraiment fort et que j'aime toujours dans Philippiens 1, et je lis dans la version Parole vivante. Il a dit au verset 20, « Par ma parfaite liberté de la parole et mon courage,
le Christ sera publiquement honoré en ma personne. Je contribuerai à sa gloire, soit par ma vie si je suis relâché vu qu'il était en prison, soit par ma mort si on m'exécute. Donc dans tous les cas, il dit Christ sera publiquement, donc c'est pas juste quelque chose de caché. Christ sera publiquement honoré en ma personne. Ça veut dire qu'au travers de ses membres, au travers de tout ce qu'il fait, Christ sera relâché. Et il dit, je contribuerai à sa gloire. Ça veut dire qu'il va glorifier le Seigneur, soit par ma vie, donc dans tout ce qu'il est en train de vivre, soit par sa mort, vu qu'il était en prison et qu'il y avait de fortes chances qu'il soit exécuté. Et nous, c'est aussi l'attitude qu'on doit avoir en fait. C'est qu'on doit se dire, j'offre mon corps, j'offre ma vie, j'offre mes membres à Jésus-Christ comme des instruments pour sa gloire. Et lui, il saura en fait, parce qu'on demeure en lui, il saura comment utiliser ces membres-là. Il saura comment utiliser ce corps et il saura comment travailler avec nous. Maintenant, l'une des façons de s'offrir à Dieu, c'est dans l'adoration. Quand on veut vraiment s'offrir à Dieu, ben, on a vu pour demeurer en lui, pour rester avec lui, pour rester connecté à Dieu. Mais l'adoration fait partie des choses qui doivent être dans notre vie vraiment comme... ça doit être notre style de vie en fait, l'adoration. Et lorsqu'on rentre dans l'adoration, la Bible nous dit que quand on tourne les regards vers le Seigneur, vraiment nous sommes transformés en la même image. La Bible parle aussi de contempler la gloire de Jésus-Christ comme dans un miroir et le reflet de ça, Jésus déteint sur nous. Il déteint sur nous et lui, il connaît parfaitement la volonté de Père. Christ connaît parfaitement la volonté du Père et nous, quand il déteint sur nous, en fait, il nous communique son cœur. Il nous communique ses pensées, il nous communique sa façon de faire. En fait, il nous communique tout ce qui contribue à sa gloire, tout ce qui contribue à sa volonté. Et dans l'adoration, on parle souvent de la gloire de Dieu, mais c'est parce que, en fait, Dieu se met à nu. Dieu te dit, OK, je te donne ce que je suis. Prends ce que je suis, prends ce que j'ai. Ça devient pour toi. Et il y a cette unité qui se construit avec le Seigneur. On a parlé de demeurer en lui, on a parlé qu'il est le cep, nous sommes les serments. Cette unité, cet enracinement se construit avec le Seigneur pendant qu'on l'adore en fait. Et il y a ce changement qui se produit en nous parce que le cœur de Dieu nous est partagé. Maintenant, ce cœur nous fait poser des actions dans notre vie de tous les jours. Le cœur de Dieu nous fait par exemple être ému de compassion comme Jésus-Christ lorsqu'on arrive dans une situation. Le cœur de Dieu, le fait que Dieu déteigne sur nous, ça veut dire qu'on acquiert aussi ses capacités. Et là, la puissance de Dieu aussi est en nous. Et là, quand on sort, mais on va voir quelqu'un qui est peut-être malade, tu vas imposer les mains et cette personne va guérir parce que la puissance de Dieu, Dieu a déteint sur toi d'une manière ou d'une autre. Et quand tu vas parler, la façon dont tu vas parler, ce ne sera pas comme tu parles d'habitude. Il y a beaucoup de personnes qui désirent glorifier Christ, par exemple dans leur caractère. Et ces personnes font des efforts personnels. Ok, je vais changer ci, je ne vais plus me mettre en colère, je ne vais plus mal parler, je ne vais plus critiquer. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut, pour pouvoir glorifier Dieu, il faut passer du temps avec Dieu. Et dans ce temps, on va réaliser que les choses qui s'attachaient à moi, ce mauvais caractère que je semblais avoir, sans que je n'ai fait aucun effort, juste parce que je suis dans la présence de Dieu et qu'il a déteint sur moi, il y a des choses que je n'aime plus. Il y a des affections que j'avais dans le passé que je n'ai plus, juste parce que je suis restée dans sa présence. Il y a des désirs nouveaux qui montent dans mon cœur. Le désir de le servir d'une certaine manière, pas comme j'avais pensé moi, mais le désir de le servir d'une certaine manière, le désir d'aller vers les perdus, le désir d'aimer mes frères et sœurs de l'Église, le désir d'édifier les autres, c'est des choses qui montent dans nos cœurs, mais la source est différente, la source devient Dieu lui-même. C'est seulement lorsque la source est Dieu qu'on peut glorifier Dieu. Si la source c'est nous-mêmes, on ne peut pas glorifier Dieu. Et pour que notre source soit, pour qu'on soit ressourcé plutôt en Dieu, mais il faut passer du temps dans l'adoration. Il faut passer du temps dans l'adoration. Et là, Dieu se révèle à nous. Le Saint-Esprit nous enseigne dans ces temps-là. Le Saint-Esprit nous apprend à marcher par l'Esprit. Le Saint-Esprit nous apprend à écouter le son de sa voix. Et lorsqu'on est dehors, qu'on entend ce son, mais c'est ça qui dirige nos actions. C'est ça qui dirige nos mouvements, notre intervention.
intervention. Et ça, ça fait toute la différence. Donc, c'est possible de mener une vie qui glorifie Dieu. C'est possible par le Saint-Esprit. Ce ne sera jamais par notre propre force. Comme la Bible le dit, c'est jamais par ta force, c'est jamais par ta puissance. C'est toujours par le Saint-Esprit. Et nous savons que quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Ça veut dire qu'il est là, en fait. Il est disponible. Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est présent et nous transportons, en fait, l'Esprit de Dieu. Nous transportons Jésus. Jésus est dans nos cœurs. Il est là, il est présent. Et pour le glorifier, c'est maintenant aller chercher, aller puiser en lui. Puisant en lui tout ce dont on a besoin pour vivre sur la terre, puisant en lui tout ce qu'il faut, mais ça prend vraiment de s'abandonner, ça prend de délaisser, ça prend de lâcher prise, ça prend d'offrir son corps, ça prend d'aller dans sa présence, de le rechercher. On ne peut pas glorifier ou faire du bien à quelqu'un si on ne sait pas c'est quoi qui va lui faire plaisir. Mais comment je vais savoir comment glorifier le Seigneur si je ne passe pas du temps avec lui? Comment je vais savoir comment le glorifier si je ne l'adore pas? Alors qu'il a dit qu'il aime l'adoration. Il est là où il y a l'adoration. Il est là où il y a la louange. Il prend plaisir. Il recherche ça. Il aime l'adoration, les adorateurs en esprit, en vérité. Il aime ça. Il les cherche. Donc, pour le glorifier, mais c'est dans ces temps. C'est dans ces temps où Dieu nous transforme. C'est dans ces temps où Dieu nous forge. Et il y a des personnes aussi à qui je pense. Elles peuvent penser que c'est compliqué quand on parle d'adoration, on parle de s'approcher du Seigneur, on parle de demeurer en Christ. Elles peuvent penser que c'est compliqué, mais vraiment, quand Jésus est mort à la croix, quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités, nous sommes cachés en Christ. Nous sommes une nouvelle créature, en fait. Et cette créature est cachée en Christ. Et cette créature est née pour adorer le Seigneur. Cette créature est née pour rester dans cette position de caché en Christ. Cette créature est née pour demeurer avec Christ. Cette créature est née pour être attachée au cep. Et c'est nous, ces personnes-là. Et c'est seulement lorsque on est attaché comme ça à Dieu qu'on peut glorifier le Seigneur. C'est là où nos pensées, nos désirs changent. Même la façon de lire la Bible change. Parfois, on lit la Bible orientée sur nous. Mais si on lit la Bible en étant orienté sur le Seigneur, sur Dieu lui-même, mais ça change. Parce qu'il est devenu notre centre d'intérêt, il est devenu notre focus. Avant, moi, je lisais des versets bibliques comme ça. Toujours, oh, les promesses orientées sur moi et tout. Mais après, j'ai réalisé que, mais tiens, je vais lire par rapport au regard de Dieu et les choses ont changé. Mais mes prières sont devenues, au lieu d'être des réclamations et tout, c'est devenu une action de grâce parce que j'ai réalisé en fait qu'il y a tellement de choses, on réalise en fait tout ce que Dieu a fait pour nous à la croix et on peut le glorifier davantage parce qu'on est reconnaissant et parce qu'on agit par amour. Amen. Amen. Ça demande du temps aussi, c'est sûr, hein, de l'adorer, de se consacrer à lui. Et dernièrement, j'étais interpellé par rapport à un passage, deux passages, le passage où l'apôtre nous parle de ceux qui sont mariés, de ceux qui ne le sont pas, en disant que celle qui n'est pas mariée, voilà, et vit pour le Seigneur. Mais celui qui est marié, voilà, il vit pour faire plaisir à sa femme, etc. Et un deuxième passage où l'apôtre parle de ceux qui possèdent comme s'ils ne possédaient pas, et de ceux qui sont mariés comme s'ils n'étaient pas mariés. Et je crois qu'il y a une pensée de Dieu pour quelqu'un ici qui regarde un époux, une épouse peut-être. Quand on est seul, c'est vrai qu'on a du temps pour lui. On arrive à la maison et on peut commencer juste à prier. Il n'y a que lui. Et on l'adore, on le glorifie. Quand on est marié, c'est différent. Les choses changent. Et des fois, il y en a qui se font un peu avoir, en fait. Et il y a quelqu'un que le Seigneur recherche. Et il nous recherche. Et je voudrais vraiment vous encourager à reprendre du temps avec lui, le soir peut-être à expliquer simplement à votre mari en toute douceur, à votre épouse en toute douceur, voilà, j'ai prévu que ce soir ou demain soir, je pourrais pas faire à manger, mais peut-être vous pouvez faire livrer quelque chose, voyez ça, mais et j'ai prévu de passer un temps avec le Seigneur, juste avec lui, et vous pouvez aller monter dans la chambre ou dans un bureau quelque part, dans une pièce, et si vous avez une pièce chez vous de disponible, et juste être avec lui. Ça peut durer une heure, ça peut durer deux heures, peu importe, mais je crois qu'il appelle, et dans le livre d'Osée, il dit, voilà, je vais l'attirer au désert, et là, je vais parler à son cœur, je vais la séduire.
Et le Seigneur, c'est cet époux amoureux, amoureux de nous. Et c'est vrai, il veut qu'on mène une vie qui glorifie son nom, une vie sans limite, parce que c'est vrai que quand on commence à tout lui donner, c'est, c'est tellement plus grand que nos pensées. Et dans ce temps de prière, d'adoration, on va se consacrer à lui. Et aussi pour ceux qui sont mariés ou même célibataires, mais qui ne laissent pas de temps au Seigneur, se pouvoir regarder un peu, sonder notre cœur, où est la place de notre amour pour lui, notre consécration pour lui. C'est vrai, on l'aime, mais dans le concret, quel temps on lui donne. Exact. Ah, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour toutes ces personnes à qui tu parles aujourd'hui. Seigneur, ta présence vaut mieux que la vie. Ta présence vaut mieux que tout. Ta présence est excellente. Ta présence est tout ce dont nous avons besoin. Père, tu as conquis nos cœurs. Tu as conquis nos cœurs, Seigneur. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que toi, tu es la source de notre vie. Tu es l'objet de notre vie. Et c'est parce que nous voulons te glorifier. Nous voulons tout faire pour toi. Nous voulons vivre, Seigneur, une vie qui te glorifie sans limite. Et aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi nous offrir. Nous venons nous offrir à toi, Père éternel, comme ces sacrifices vivants. Nous venons t'offrir nos corps. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur Jésus. Fais de nos vies ce que tu veux, Seigneur Jésus. Nous venons t'offrir nos membres, Père éternel, comme des instruments de justice. Fais de ces membres ce que tu veux. Conduis nos pas là où tu veux. Oriente-nous comme tu veux, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour toi que nous vivons. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Nous voulons prendre du temps dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous voulons prendre du temps près de ton cœur. Nous voulons, Père, passer du temps avec toi. Nous voulons que tu nous prennes dans tes bras. Nous voulons être près de toi, près de ton cœur, parce que tu es notre époux, Seigneur Jésus. Nous voulons t'appartenir pleinement, qu'il n'y ait plus rien dans nos vies qui nous empêche de prendre ce temps. Seigneur, tu es le maître du temps, qu'il n'y ait rien qui nous empêche de prendre du temps à part pour toi. Seigneur, attire-nous dans ta présence. Attire-nous dans ta présence. Prends-nous à part pour être avec toi. Prends-nous seul à seul avec toi, Père éternel, pour pouvoir parler à nos cœurs, Seigneur Jésus, pour pouvoir parler à notre être, pour pouvoir nous transformer en la même image que toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi dans notre quotidien. Nous voulons plus de toi, Père éternel, dans nos cœurs. Nous voulons plus de toi dans nos pensées. Nous voulons plus de toi dans nos réflexions, dans notre façon de faire, Seigneur. Attire-nous dans ce lieu secret. Attire-nous près de ton cœur. Attire-nous dans ce lieu secret. Là où seul à seul avec toi, Père éternel, de grandes choses vont se passer. Là où notre vie sera façonnée à ton image. Là où notre vie, Père éternel, sera consacrée entièrement à toi. Là où tu nous communiqueras tes pensées. Là où tu nous communiqueras tes idées, ta façon de faire. Là, tu nous donneras envie de te servir. Tu nous donneras envie de nous déployer pour toi. Et lorsque nous sortirons de ce lieu, nous ne pourrons que manifester les fruits qui glorifient ton nom. Nous ne pouvons que être ces porteurs de fruits pour ta gloire, Seigneur Jésus. Mais c'est dans ta présence que nous venons tirer ce fruit. C'est dans ta présence que nous venons tirer ces choses, Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia, koraba santa ramai. Glorieux Jésus. Soraba barabasa, nous t'adorons. On t'aime tellement, Seigneur Jésus. On veut que tu sois toujours le premier. Alléluia. Toujours l'époux, le premier dans notre vie. Merveilleux Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, oui, quand on passe du temps avec toi, tu nous remplis. Tu aimes notre présence. Nous t'aimons, Jésus-Christ. Tu es tellement merveilleux, extraordinaire. L'Esprit de Dieu pose cette question encore, oui. Quelle est la place que tu me donnes dans ton cœur? Quelle est la place, l'importance que j'ai à tes yeux? Alléluia. Je veux à cœur de lire ce passage. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Amen.
à son admirable lumière. Seigneur, merci. Merci d'avoir fait de nous cette race élue, de faire de nous ce sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal, né pour t'aimer, né pour te servir, né pour t'adorer, né pour te glorifier. Oui, nous voulons tout offrir, tout te donner et mener une vie, Seigneur, qui te glorifie. Tu nous as établis comme une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple racheté pour que nous puissions te glorifier, que nous puissions vivre pour toi, que nous puissions être passionnés par toi. C'est pourquoi je prie pour ton peuple. Je prie pour un peuple de passionnés. Je prie pour un peuple d'amoureux. Je prie pour un peuple, Seigneur, qui a un cœur tellement ouvert et rempli de toi, qu'en tout lieu, qu'à tout moment, il cherche ta face. Qu'en tout lieu et qu'à tout moment, il peut aller sur le côté, juste prier, juste parler, juste dire qu'il t'aime. Père, je prie que les plus jeunes, mais aussi les plus âgés, ceux qui ont vieilli, ceux qui sont devenus des adultes, ceux qui sont devenus des pères, des mères, peut-être des grands-pères et des grands-mères, puissent encore avoir ce cœur d'enfant, ce cœur de fiancé qui cherche sa fiancée, qui cherche son fiancé avec passion, avec amour. Père, je prie, oui, pour le feu, la passion du premier amour. Alléluia. La passion du premier amour pour cette personne qui est en train de prier maintenant. La passion du premier amour, le feu du premier amour. Alléluia. Oh, l'expectative qu'il y avait, l'excitation qu'il y avait à penser à toi, les désirs qu'il y avait à penser à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, le propelle de mande de proietto de coria praiste. Car tu as dit, vous serez à moi, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, et ils m'appartiendront. Nous t'offrons nos cœurs, Seigneur. Nous t'offrons, Père éternel, nos mains, qu'elles te glorifient, que nos bouches te glorifient, que nos pieds te glorifient, que notre être entier te glorifie, Seigneur, que notre esprit, que notre âme, que notre corps te glorifie, Seigneur Jésus. Nous t'appartenons, nous sommes complètement, nous sommes entièrement à toi, Père éternel, et nous sommes bénis de t'avoir auprès de nous, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Elle vaut mieux que tout. Il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur, Seigneur Jésus. Il n'y a rien de mieux que toi. Il n'y a rien de parfait que toi. Tu es plus que parfait, Seigneur Jésus. Tu es saint, tu es honoré, tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons, Père, tu es celui qui a conquis nos cœurs, tu es celui qui a captivé nos vies, tu es celui-là à qui nous donnons tout, Seigneur Jésus. Prends tout, Seigneur, prends tout, et que nos cœurs te soient attachés, que nos vies soient pour toi, Seigneur. Prends tout, Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tu es justice. Tu es sainteté. Personne n'est comme toi. Tu es bonté. Tu es merveilleux, Jésus. Embrase-nous. Tu es notre bien le plus précieux, Seigneur. Afin qu'il n'y ait plus que toi. Oh, alléluia. Nous t'aimons. Tu es notre vie. Tu es notre histoire, Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es l'air que nous respirons. Notre respiration, c'est toi, Seigneur Jésus. Tu es tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Tu es tout ce qu'il nous faut pour vivre sur cette terre, Seigneur. Nous n'avons besoin de rien d'autre que toi. Nous n'avons besoin de rien d'autre que toi, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Alléluia. Tu es si saint, si pur. Seigneur Jésus-Christ. Oh, glorieux Jésus-Christ. Seigneur, on n'a pas de mots. Alléluia. Alors que tu nous remplis, alors que tu remplis nos bouches, de louanges, d'adoration. Alléluia.
holy plea, linda la mighty propel, dias lilikelia brahma. Alors que notre esprit a faim et soif de t'adorer, de s'exprimer dans ces langues inconnues que tu nous donnes parce que notre langage est insuffisant. Alléluia. C'est pourquoi, Père, je prie pour cette personne qui t'a prié, qui a dit, je voudrais être rempli du Saint-Esprit pour t'adorer davantage, pour te glorifier davantage et pour être encore plus entier, consacré à toi. Eh bien, tu l'as rempli maintenant du Saint-Esprit. À toi qui as fait cette prière, maintenant reçois. Reçois ce que tu n'avais pas reçu. Reçois ce pourquoi tu avais douté. Reçois et sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Il te le donne. Il te remplit parce qu'il t'aime et parce que tu es à lui. Alléluia. Il te le donne. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Maintenant, pas plus dans ta langue, mais commence à parler en d'autres langues. Un son, une syllabe, quelque chose, un soupir qui s'exprime. Par la foi, il t'a rempli, tu le crois. Et parce que tu le crois et qu'il t'a rempli, il l'a fait. Maintenant, tu parles dans de nouvelles langues et tu vas l'adorer, le glorifier. Il t'a la bleu mandelia brapai. L'oustolo y calibellia toloé. Rilieta le flow librepan. Dans un partage toujours plus grand de son amour. Dans un partage toujours plus grand de son cœur. Dans un partage toujours plus grand, une communion plus forte. Alléluia. Kibristria tolia braite. Oh, bro, pelli di crin, dara muendi, bro, full teye, bro, quete, que bro, estriri, kelian, dara moride. Alléluia. Colon de libria, flaque, libro, peio. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous t'adorons, nous t'adorons.